La première, ce sont bien sûr les vacances à Ibiza du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, révélé par Mediapart le 17 janvier dernier, en pleine polémique, on s'en rappelle, sur l'insuffisance du protocole sanitaire contre le Covid à l'école. Hélène, que disiez-vous dans cette enquête ? On disait quelque chose de très simple, mais de caché à l'époque, qui est que au moment où le protocole sanitaire dans les écoles a été annoncé, Jean-Michel Blanquer était encore en vacances dans une île des Baléares, donc à Ibiza, et qu'il est rentré de ses vacances la veille de la rentrée scolaire, alors qu'on était vraiment dans une crise absolue où les professeurs ne savaient pas à quoi ils devaient s'attendre, quel était le protocole qui serait appliqué dès le lendemain, le lundi. Les professeurs, les élèves et les parents d'élèves. On se souvient aussi des files d'attente devant les pharmacies dès le lundi matin. Et donc, à ce moment-là, le ministre de l'Éducation nationale était effectivement encore en vacances et est rentré sur le tard. Jean-Michel Blanquer, qui, après vos révélations, face à la polémique aussi, a fini par s'exprimer d'abord à l'Assemblée nationale, puis sur TF1. C'est très paradoxal aujourd'hui pour moi d'être un peu sur le banc des accusés, alors que je travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur le sujet. J'ai pris 4 jours de vacances, j'ai travaillé pendant mes 4 jours de vacances. Donc je ne crois pas qu'il y a là véritablement matière à accusation. Par contre, je comprends le symbole d'Ibiza. Bon, l'hiver, ce n'est pas du tout comme l'été. J'étais juste en plein air. En lien avec le gouvernement, le cabinet et les interlocuteurs, comme d'ailleurs la chronologie le montre. Hélène, Jean-Michel Blanquer, on l'entend, regrette la symbolique, dit-il, mais il minimise. Pourquoi donc avoir publié cette information et pourquoi c'est une information d'intérêt public ? Alors, on a beaucoup entendu après la sortie de notre enquête qu'on jugeait les vacances de Jean-Michel Blanquer, qu'un ministre avait quand même le droit de se reposer 4 jours par an, etc. Nous, il n'est pas question de juger les vacances de Jean-Michel Blanquer ni de quiconque, par ailleurs. En revanche, ce qui nous a intéressé là-dedans, c'est la façon dont les choses étaient présentées. Le protocole sanitaire tel qu'il a été énoncé dès le 2 janvier, donc veille de la rentrée scolaire, a suscité énormément de questions. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à 17h? Pourquoi comme ça? Pourquoi dans la presse? Pourquoi dans la presse d'abord payante, puis passer en gratuit, parce que quand même ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit problème. Et en fait, toutes ces questions ont été posées parce qu'il y avait aussi une mise en scène du Parisien à l'époque, dans lequel on voyait Jean-Michel Blanquer dans son bureau du ministère de l'Éducation nationale, une photo qui en fait était datée de quelques semaines avant, et qui, dans le journal, n'était pas datée. Et pour cause, l'interview a été réalisée, on l'a su après, non pas par visioconférence, comme nous l'ont d'abord dit l'entourage de Jean-Michel Blanquer, mais par téléphone. Et c'est la raison pour laquelle, derrière, les journalistes du Parisien ont dit, nous, on ne savait pas, on ne connaissait pas réellement les conditions de cet entretien. On savait que c'était par téléphone, mais on ne s'est pas douté une seule seconde qu'il n'était pas dans son bureau. Donc, Cette mise en scène a posé problème. Pourquoi, plus largement, l'enquête est d'intérêt général? D'abord parce que c'est une information en fait, qui n'avait été portée à la connaissance de personne, à commencer par les lecteurs du Parisien. Ensuite, parce que, comme le dit Jean-Michel Blanquer, les symboliques, c'est pas rien. Il y a, effectivement, en politique, il y a ce qui relève de l'ordre du pénal, bon d'accord, il y a ce qui relève de la morale, Emmanuel Macron le disait très bien. Et en fait, ce qui est assez étonnant avec ce pouvoir, c'est que c'est tout un volet en fait, de la chose politique qu'ils ont très rapidement oublié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la morale, on s'en fiche. Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est perçu comme un problème. Parce que, si vous voulez, dans le gouvernement, vous voulez tous, dans le gouvernement, tout le monde a dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est? C'est pas une affaire, c'est pas... Très bien. Sauf qu'on l'a bien vu derrière, que tous les parents d'élèves, tous les professeurs ont très bien compris ce qui se jouait autour de cette affaire de vacances à Ibiza. C'est quelque chose qui marque de la même façon, si vous voulez, pour prendre une autre affaire du quinquennat dont on avait beaucoup parlé, qui est l'affaire François de Rugy. Qu'est-ce qui a marqué? C'est cette histoire de homard, même si ce n'est pas vraiment les raisons pour lesquelles il a démissionné ensuite. Mais en fait, ce sont les symboles en politique, c'est important. Et c'est d'autant plus important qu'en fait, ça contraint un ministre à faire un 20h sur TF1 le lendemain de la révélation de nos informations. Jean-Michel Blanquer, il ne s'est pas dit « je m'en fiche, ça va passer ». Jean-Michel Blanquer
et tout l'entourage, parce que Jean-Michel Blanquer ne fait pas un 20h de TF1 sans qu'on le lui demande ou sans qu'il en soit informé, c'est assez important pour mériter un 20h et une explication publique.